Van Roy, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on parle ensemble, au cœur de cette table ronde, regard d'un territoire, sur l'initiative que vous avez présentée, initiative infraterritoriale mobilisant les acteurs de l'éducation thérapeutique. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, la plateforme donc d'éducation thérapeutique en Val d'Oise est une initiative de l'ARS et une initiative qui est également portée par des médecins praticiens hospitaliers et qui a pour enjeu de promouvoir l'éducation thérapeutique en ville et d'apporter un soutien méthodologique aux projets expérimentaux en ville. Alors concrètement, cette plateforme, l'accès à des ressources, des outils, des formations. Alors concrètement, la plateforme se développe aujourd'hui et elle s'est développée à partir d'un état des lieux qui a été fait avec les acteurs de terrain, au travers de rencontres infraterritoires, au départ qui concernaient tous les acteurs de l'ETP, quelles que soient les pathologies, les programmes proposés. Il y a eu un deuxième temps de travail avec les acteurs para-infraterritoires, mais ciblant une pathologie. Donc on a ciblé le diabète et la prochaine pathologie qui sera ciblée sera l'asthme. L'idée, c'est de réfléchir, échanger avec tous les acteurs para-infraterritoires pour toutes les pathologies, tous les programmes. Dernière question au niveau de cette initiative, en quoi ces mobilisations interdisciplinaires dont on parle si souvent est un gage de pertinence ou de performance pour développer l'ETP? Bah, elle est un gage de pertinence parce que elle part de la demande des acteurs du terrain, elle part de l'analyse de leurs besoins. Et c'est à partir de ça qu'on construit des réponses qui sont vraiment au plus près des besoins pour fluidifier le parcours de soins du patient et surtout mieux s'appuyer sur les ressources para-infraterritoires au niveau de l'intention, au niveau de, pardon, de la, comment, de l'ETP de premier recours, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est le développement de l'ETP de premier recours. Et tout ça pour aboutir à un plan d'action concret avec des propositions qui sont faites par les acteurs de terrain. On va reprendre ensemble l'intitulé de ces rencontres d'aujourd'hui, voir, montrer, faire voir l'éducation thérapeutique. Quels sont selon vous les enjeux pour faire en sorte qu'on puisse mieux connaître et faire reconnaître l'éducation thérapeutique aujourd'hui et demain? Ben, les enjeux, c'est d'abord le patient, parce que c'est lui qui est le premier ciblé dans toute cette démarche, c'est que le patient puisse mieux vivre avec sa maladie et surtout que son parcours de soins soit plus lisible et plus cohérent et qu'il y ait plus de rupture, qu'il y ait une continuité dans ce parcours de soins et qu'après l'hôpital, il se passe des choses. Et surtout, il faut arriver à concerner et sensibiliser davantage la ville, donc les médecins généralistes, les pharmaciens, etc. Donc c'est un défi, mais auquel nous croyons. Merci à vous. Merci Merci. beaucoup.